Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être ma petite routine pensage du moment. Et oui, je crois que la dernière fois que j'ai fait une routine pensage, ça date d'il y a 2 ans quand j'avais seulement Bilbao. Du coup, j'ai trouvé ça sympa de recommencer pour cette année. Donc vous allez voir, le pensage ne sera pas énorme car tout simplement les loulous ont leurs gros poils d'hiver, donc je m'amuse pas à mettre 100 000 produits dessus. Mais actuellement je suis en train de tester des nouveaux produits que j'ai reçus, donc je vais vous en parler pour le coup dans cette vidéo. Mon cobaye pour cette routine sera ma petite princesse Gossip. Voilà, j'avais envie de la prendre parce qu'en ce moment ma louloute est magnifique, donc je voulais la montrer en vidéo. Voilà, j'étais fière de sa beauté. Donc premier produit que j'utilise, et c'est du coup les produits que je suis en train de tester, c'est le super démêlant de la marque Ekina. Donc la marque Ekina, c'est des produits qui sont avec 95% de produits naturels. Donc moi j'adore, j'aime bien le naturel. Donc voilà, première étape, bah, j'asperge la queue et du coup la crinière de la louloute pour que ça démêle. Quoique la crinière, il n'y a pas vraiment besoin vu qu'elle est en brosse. Et ensuite, bah, petit pansage normal, je prends mon étrie américaine vu qu'il y a un peu de boue, on va dire. Et voilà, je fais vraiment ce qu'on fait de base, étrie américaine. Après, je vais prendre mon bouchon. Voilà, c'est vraiment... j'ai pas 500 000 choses à dire, en fait, sur ça. Ensuite, prochain produit que je prends, bah, du coup, c'est ma brosse. Parce que le produit a pu agir sur l'écrin. Donc, je démêle la petite crinière de ma louloute. Son petit toupet, voilà, il commence à pousser son toupet, c'est bien, je suis contente. Et ensuite, j'utilise actuellement un produit que j'adore en fait, c'est une lotion pour nettoyer les yeux. Et ça, j'en suis totalement fan car Gossip et Golden ont les yeux vachement sensibles. Donc voilà, avec une compresse, j'utilise le produit et je nettoie délicatement leur petit nœud pour ne plus qu'ils aient leur petite crotte et tout, voilà, que ça soit mieux. Et après, bah, on va s'occuper des petits pieds-pieds, voilà, hein, le petit curage des sabots. Ça va assez rapidement avec les miens vu qu'ils ont des minuscules petits sabots. Et en ce moment, je leur mets de la graisse noire parce qu'avec l'humidité et les sols ultra humides, voire boueux, bah, leurs sabots se sont un peu ramollis. Donc voilà, j'essaye un peu de les faire réguler, qu'ils soient un peu plus durs. Donc voilà, je leur mets actuellement de la graisse sur leurs petits sabots. Et pour terminer, bah, je mets un lustrant sur le poil des loulous. Car voilà, vu qu'ils ont un poil d'hiver, bah, autant que ça brille. Et voilà, j'applique ça un peu sur les loulous. Bon, je m'amuse pas à faire ça tout le temps. C'est vraiment quand j'ai vraiment envie soit de prendre des photos ou de temps à autre. Et puis voilà, ma routine est terminée à ce moment-là. Comme je vous ai dit, c'était pas immense. Voilà, mon objectif, c'est vraiment faire les soins de base. Avec leur gros poids, je peux pas mettre autre chose parce que bah, ça s'imprègne pas du coup dans la peau. Mais voilà, voilà ma petite louloute qui est toute belle. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vais vous laisser, on se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien, salut !